Et nous avons géré au mieux ces irrégularités-là. Aujourd'hui, nous avons eu l'autorisation de voler sur Paris de notre Boeing 737. Ça veut dire qu'en cas de problème avec le DIA, le Boeing 737 pourrait effectuer le vol en lieu et place du 767, le DIA. L'autre chose, c'est qu'en exclusivité, donc l'information qu'il vous a donnée, c'est la création de la classe premium économique, une classe intermédiaire entre la business class et la classe économique. Donc, c'est une classe qui permet aux passagers de voyager dans tout le confort de la business class avec un service économique, donc le confort de nos sièges qui ont été complètement rénovés. Et cette classe est à 950 000, 995 000 francs CFA, la classe premium économique. Nous avons aussi le programme de fidélité simple qui va être mis en place dans quelques jours et qui donc vous avez 10 billets, vous voyagez 10 fois, vous avez un billet gratuit, un programme plus simple et facile à adopter. Les nouvelles destinations, donc on va les lancer, ensuite il y aura une évaluation au bout de 6 mois pour celles des destinations pour lesquelles on aura fait des projections qui ne tiennent pas avec la réalité, elles seront soit annulées. Et on verra aussi peut-être que d'autres destinations viendront s'ajouter à celles qu'on aura déjà. Les vols Douala, on peut faire de Douala le hub, à savoir qu'il soit le point principal de Kamerko. On fait en sorte que tous les vols de la sous-région qu'on fait, que tous les passagers puissent avoir une connexion sur le vol de Paris au départ de Douala. Donc, nous travaillons aussi là-dessus. Et il a terminé par le potentiel d'engorgement du Cameroun. Et ce potentiel-là, il est sûr que tout se développera et qu'on évoluera de mieux en mieux. Donc, voilà, en gros, je passe tout de suite la parole à M. Alphonse Béat.